Il y a une chose qui m'a fasciné, c'est quand vous avez un bloc métallique, quand il est chauffé à blanc, donc ça vous éblouit un peu comme le soleil. C'est la première chose que je commence à me poser de nouveau dans la physique, qu'est-ce que c'est la matière? Et qu'est-ce que c'est l'énergie? C'est quoi ça? Ce qu'il y a à l'intérieur. Mais matière, c'est quelque chose qui vous incite à comprendre l'intérieur. Qu'est-ce que c'est l'intérieur? Molécules, atomes, etc. Ça pose les questions. Alchimie, bien entendu, j'ai commencé à m'intéresser. Et après, quand je voulais être un peu plus précis, je me suis rendu compte que cet soleil en plus petit, il m'a ébloui et je ne vois pas suffisamment la forme que je suis en train de faire. Donc, j'ai fait de plus en plus des formes qui rapprochaient à la sphère, à la boule. J'ai découvert encore instinctivement quelque chose qui n'était pas la géométrie classique. C'était la géométrie non euclidienne. Donc, de nouveau, j'ai commencé à m'intéresser à la physique mathématique, développer la géométrie sur la surface. Comme j'ai commencé à faire le polissage plus en plus parfait, tout simplement, je me suis rendu compte que ça commence à réfléchir ce qu'il y a environnant. Donc, au fur et à mesure, j'ai avancé et j'ai commencé à le polir et n'a pas noircir. Donc, ça devenait un vrai miroir. Et tout d'un coup, j'étais dans une autre étape d'évolution qui était inévitable, d'espace intérieur. Tout d'un coup, je me suis trouvé à l'espace extérieur, ce qui réfléchit cette miroir. Et l'espace extérieur, pour moi, évidemment, comme j'ai commencé déjà par étapes pour m'intéresser à l'astronomie et astrophysique. Des fois, même des accidents, ils vous permettent de développer si vous êtes attentif à ce que se passe. Il faut faire des déviations. Et c'est la même que pour moi, elles permettent de dévier d'une chose à l'autre. C'est toujours. C'est presque une obligation.